Hello! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, un abonné m'envoie un planeur qu'il a imprimé lui-même avec son imprimante 3D. Donc tout d'abord, merci Grégory pour l'envoi de ce planeur. Donc ce sera le Naking... Comment ça s'appelle? Putain, c'est dur à dire. Donc ce sera le Naking Fu Pylon Racer. Donc c'est un petit planeur que vous pourrez trouver sur le site Cult. Donc je vous mets le lien dans la description. Un petit planeur de 80 cm d'envergure. Donc ici, Grégory l'a imprimé tout en PLA. Donc je vois qu'il devrait peser à la fin 450 grammes. Pour 80 cm d'envergure, donc ça va être très lourd, ça va certainement voler très très vite. Allez, c'est parti! Et donc il m'avait bien précisé qu'il manquait la gouverne de profondeur. Alors les ailes ont été imprimées en trois parties et c'est bien foutu. Il y a des petites tiges de 6 mm. Et là, je vois que les ailerons aussi, pour l'instant, sont scotchés. Je vais les coller et puis je vais venir passer. Donc là, il va me falloir une petite corde à piano. Donc celle-là fait 1 mm. Bon, je vais tout coller à la cyano, une cyano standard. Ouais, des cerveaux 9 grammes pourraient aller si on coupait les fixations là. Mais bon, c'est dommage, c'est un peu lourd. Moi, je vais mettre des 3,7 grammes. Surtout qu'il est censé en aller 4. Un pour chaque cerveau. Et également 2 dans le fuselage. Un pour la dérive, un pour la profondeur. Pour la gouverne, alors il y a une gaine qui a été imprimée directement dans l'empennage en fait. Donc là, il va falloir une assez grande corde à piano. Je vais juste venir y mettre un peu de lubrifiant. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, en fait, il n'y a pas de dérive sur ce planeur là. Ce sera juste aileron. Et profondeur, donc il y a la place que pour un seul cerveau. La corde à piano 1 mm, c'est trop gros. J'ai testé là et ça marche pas du tout, ça fait trop forcer le cerveau. Donc il faudrait avoir de la corde à piano plus fine que ça. J'en ai pas. Par contre, j'ai une corde de guitare là en C1 sol. Ça devrait être pas mal, je vais essayer ça. Ça marche super. Donc là, il manquait juste l'aileron de profondeur. Je vais le faire dans du Dépron de 6 mm. Vu que c'est du Dépron, je vais quand même y solidifier un petit peu. Je vais rajouter cette petite tige carbone. Alors, je vais essayer d'y mettre un petit palonnier.
Les deux petites vis noires là, c'est des vis normalement qui servent à tenir les cerveaux, à fixer les cerveaux sur leur support. C'est vraiment la taille idéale. Donc là pour l'instant j'ai juste fait un petit coude. Je vais déjà voir si ça marche. Alors pour la motorisation, je vais installer ce petit moteur brushless One Model en 2700 kV. Donc vraiment léger, là il fait 20 grammes. Pour la fixation du moteur, du coup, mes trous ne correspondent pas à ceux prévus. Alors ce que je vais faire, je vais simplement utiliser un bouchon de bouteille. Pour l'hélice, j'avais prévu ce cône avec cette hélice rétractable, mais le problème c'est que mon moteur ne s'adapte pas sur ce type de cône. Je vais donc devoir rester sur une hélice standard, donc ce sera une 50-45. Alors là, toute mon électronique est installée et je me rends compte que quand je fais le centrage, qu'il va me manquer beaucoup de poids à l'avant. Donc j'étais parti sur cette lipo 450 mAh en 2S. Je l'ai donc remplacée par une lipo 1500 mAh en 2S, qui est vraiment placée ici le plus à l'avant possible. Malgré ça, il manquait encore 10 grammes que j'ai rajouté ici. Donc là, mon centrage est fait. Le souci, c'est que j'ai peur que maintenant, ce soit mon moteur qui soit plus assez puissant pour faire voler le tout. Donc là, comme ça, il fait 370 grammes. Je vais quand même faire un essai comme ça. Et si je vois qu'il n'y a pas assez de patates, eh ben, je changerai pour ce moteur. Donc ça, c'est un Craze Pony 2300 kV. Donc il est plus lourd et également plus puissant. Voilà, j'ai remplacé le moteur qui était trop léger et pas assez puissant, donc par ce Craze Pony de 2300 kV qui pèse 30 grammes, donc bien plus lourd et qui est idéal pour le centrage. Et également ma lipo, toujours pour une question de puissance et de poids, j'ai donc mis une 3S en 1500 mAh. Et là mon centrage est parfait, donc en fait ce planeur est vraiment pas fait pour du petit matériel léger, il a besoin vraiment de beaucoup de poids à l'avant. Et vu que le planeur en lui-même est en PLA, donc assez lourd, et voilà, il lui faut pas mal de puissance. Donc là, je suis vraiment dans les recommandations du constructeur avec ce moteur 2205 en 2300 kV. Ok, bah c'est plutôt propre, c'est bien remis en tout petit bout. Bon, c'est dommage, en plus celui-là je voulais essayer de vous le faire gagner à la fin du mois. Voilà, alors ce petit planeur il a besoin de beaucoup de vitesse, il est lourd et il est affûté pour voler vite. Et d'ailleurs dès que j'essayais de réduire les gaz, tout de suite ça répondait beaucoup moins aux ailerons. Donc j'étais obligé de garder une certaine vitesse pour pouvoir avoir de la vélocité sur les ailerons, sinon il allait partir tout droit. D'ailleurs je sais même pas si j'ai fait une inversion ou quoi, ça allait tellement vite que j'ai même pas compris ce qui s'est passé. Petit récepteur est ravi d'avoir participé en tout cas. Voilà, et pour en revenir un petit peu aux spécifications que donne le concepteur du planeur, alors lui il met des cerveaux 9 grammes, donc moi j'ai mis des cerveaux 3,7 grammes, comme ça je gagne un petit peu de poids. Son poids final est de 450 grammes, donc voilà, moi il était un petit peu plus léger. Donc pour les moteurs, il parle d'un moteur Speed 400, donc là on est sur du old school, hein.
Ou alors un moteur brushless 2205 en 2300 kV à peu près, donc c'est ce que j'ai mis et ça marche super bien. En tout cas, tout le reste des spécifications sont sur le lien que je vous mets dans la description. Donc voilà, si tu te lances dans la construction du planeur, tu auras tout ce qu'il te faut pour l'écraser comme le mien. Je remercie encore Grégory pour m'avoir envoyé ce planeur. Bon, il n'aura pas fait long feu, mais en tout cas, ces 2 minutes de vol auront vraiment été un super kiff. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pense à t'abonner. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!